D'abord, faut nous saluer tous les amis téléspectateurs qui ont actuellement regardé l'interview, qui ont passé sur le Canal Bleu. Et nous sommes très contents en Haïti. Et Moïse Garçon, c'est un nom que un peu le monde déjà connaît dans la diaspora, puisque au niveau de Georgia particulièrement, et nous travaillons avec la communauté en pile, l'activité sociale, et particulièrement au niveau de Radio Force Internationale, qui est la principale radio que nous gagnons en Georgia. Et très récemment, Moïse Garçon aussi, et avec l'administration, dans le cadre ben, penchant ou bien et focalisé l'action gouvernementale au niveau diplomatique sous question affaires et investissement, et ben, et nous t'es nommé comme le consul qui est responsable d'investissement dans le consulat haïtien qui est dans Atlanta, un consulat qui est assez jeune. Alors Moïse Garçon, c'est aussi un jeune qui est toujours à faire recherche, qui est toujours à écrit et qui est très concerné par tout ça qui est haïtien, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur. Bien, et une présentation qui est très brève mais qui est consistante. Nous parlons surtout et arrêter d'abord sur une idée exceptionnelle, une idée géniale qu'on a gagné pour mettre sous pied un premier sommet socio-économique dans la diaspora haïtienne. Nous voulons aller direct. C'est qui côté idée ça a sorti? C'est qui objectif de tel sommet? Le premier sommet socio-économique de la diaspora haïtienne que nous décidons de faire au niveau de Atlanta, Georgia, c'est une initiative d'une organisation que m'a dirigée, c'est Haïti Demain. Haïti Demain, lui-même, nous trouvons nous tous, est basé à Jonesboro, Georgia. Et bien là, nous avons essayé de regarder de quelle manière nous sommes capables d'essayer de faire professionnel dans la communauté haïtienne et pourquoi pas tout leader dans toute activité que nous avons entreprendre qui est positive pour la communauté. Et pour nous être capables de réunir ensemble, offrir une plateforme pour nous capables de participer dans le cadre de la construction Haïti. Parce que c'est vrai, et janvier 2010, plus particulièrement 12 janvier 2010, eh bien, nous connaissons une grosse catastrophe qui mettait toute pendule, toute montre dans le pays d'Haïti à zéro. Parce que 2010, nous avons dit, avec le tremblement de terre, nous recommençons, nous prenons l'autre direction et nous voulons travailler pour que nous ayons meilleur Haïti. Ce n'est pas que le conseil de problème que nous gagnons au niveau d'Haïti, nous pas gagné avant 2 janvier, mais qu'a vint empirer. Et particulièrement moi-même qui était présent en Haïti lorsque le tremblement de terre s'était passé, moi j'ai vint doubler effort dans le cadre de travail que nous avons fait avec diaspora pour nous capables de quelle manière diaspora ça travaille de façon coordonnée, de façon bien spécifique pour nous porter une contribution en Haïti. Donc lorsque nous avons pensé avec le projet de Sommezar, nous t'ai vint chita d'accord après des centres de réflexion qui fait pendant des mois, nous arrivons d'accord sur deux projets principaux. Premier projet, nous relayons de l'eau propre. Projet de l'eau propre là, c'est un projet que nous dit, nous allons essayer ouais, de quelle mesure nous capoter de l'eau potable à la population qui vive dans le plateau central. Nous pas qu'à couvrir tout le département du centre. Dans un seul projet, nous disons un projet pilote et puis après réflexion, après étude, parce que nous venons déjà au niveau d'Haïti, nous visiter la communauté dans le plateau central, nous voyons particulièrement au niveau de tout le monde, il y a une demande qui est vraiment excessive pour de l'eau potable. Le problème de l'eau potable là, c'est un problème qui existait au niveau de toute population haïtienne là, parce que la recherche qui fait déjà sur ça fait nous comprendre que plus de 4 millions haïtiens n'ont pas accès à de l'eau potable. Ou même quand vivent dans Port-au-Prince, par exemple, on connaît que de l'eau qu'on a boué, ce n'est pas de l'eau qui est potable. Donc, il y a un facteur qui fait que pratiquement nous connaissons 6700 haïtiens déjà victimes de maladie choléra, mais nous connaissons à la base qui ça qui crée choléra, qui baille possibilité pour vivre ça capable de développer concrètement, c'est l'eau potable que nous pas gagner. Donc c'est ça que nous dit notre potent contribution dans un domaine qui n'a pas être petit mais qui est très grand en matière de solution. Deuxièmement, nous avons un projet que nous relais HLARC qui c'est Haitian Living Abroad Resource Center. Resource Center, c'est un centre de réflexion, d'éducation et d'information. Lorsqu'on vit dans la diaspora, eh bien, le plus grand défi qu'on gagne, c'est joindre information dans la communauté parlant par rapport avec haïtiens, et soit sous besoin docteur haïtien, sous besoin avocat haïtien, ou bien et sous ta même besoin de joindre un travail, et bien sûr à partir de haïtiens, parce qu'actuellement aux États-Unis d'Amérique, eh bien, si ou pas de networking, si ou pas de amis qui permettent de connaître des informations, c'est très difficile pour qu'on ait. Et c'est ça qui fait qu'on y a une grande entreprise qui dit sous besoin d'appliquer pour un travail, il faut qu'on aille online ou filer une application. Mais si vous avez un monde qui travaille dans l'institution, qui est référé comme un potentiel employé ou bien un candidat qui est capable, bien sûr, de venir faire travail, vous avez plus
possibilité, plus chance pour être capable, bien sûr, de jouer un job. Donc, nous pensons avec Ressources Center, nous sommes capables d'avoir information. Et information, c'est bien sûr, pas seulement pour Haïtiens, mais pour toute communauté qui est intéressée avec ça, Haïtien, à faire ou bien aider Haïtiens à avancer vers l'avant. Super, deux projets très, très ambitieux et très prometteurs. On nous dit que le premier sommet, ça, c'est combien de nous viser et qui moyens nous mettons pour nous faire. Est-ce que du point de vue officiel, par exemple au niveau du gouvernement haïtien et de l'actuel gouvernement, il y a des liens qui sont faits? Et parlez-nous de détails en termes organisationnels pour le sommet. Bon, d'abord, c'est un projet lorsque nous lançons au cours du mois de septembre l'année dernière, concrètement, projet été là déjà, mais c'est lorsque nous lançons avec des organisations, nous invitons plus de 250 organisations dans la diaspora, nous disons, venez joindre nous pour nous travailler ensemble, pour nous faire bagarre ensemble. Parce que nous ne pensons pas projet ça, c'est un projet Haïti demain que le dit. Haïti demain, c'est juste instigateur projet, c'est nous-mêmes qui avons catalysé pour que nous pensions à un autre avant, sans pour nous suspendre, faire chaque monde. Font à côté, n'a répété les mêmes erreurs et puis nous une pas jamais arriver avancer. C'est une activité de crabe, je ne qu'on dit en Haïti hein, et ben nous t'a remé fait des bagages ensemble. Donc question financement c'est un facteur déterminant lié dans tel projet parce que ma bon exemple très simple, nous choisis pour nous faire sommet ça le 21 avril 2012 de 8h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi. Nous choisis faire dans Georgia World Congress Center parce que from dire que Georgia c'est une zone tout à fait touristique parce que nous avons pile belle bagaille pour nous visiter, c'est la CNN Center et c'est là qu'il y a un grand aquarium dans zone là, c'est là nous gain plus passé et nous capable dire nous gain ça les 500 et Fortune Company, c'est là que vous êtes au niveau de Georgia. Puis là dedans, nous avons pile activité de manufacture, c'est une zone qui est toujours venue avec les meilleures initiatives en matière de développement technologique. Donc, nous Georgia World Congress Center, c'est un meilleur côté pour nous faire. Mais nous avons estimé que si nous avons des leaders d'organisation, si nous avons des gens qui sont dans la communauté qui sont intéressés avec ce type d'activité, ça, il faut nous limiter bien sûr. Et nous limiter entre 500 à 700 personnes parce que nous avons une quantité de monde qui est vraiment concerné puis pour nous capables projet pilote ça, comme on a continué avec lui dans l'année qui va venir. Donc, nous voulons faire le fruit, nous déterminer pour ne pas sortir perdant dans un tel projet, nous disons à nous faire à $75. Ça, c'est frais de participation pour les gens qui viennent, qui peuvent recevoir une invitation spéciale. Et puis, nous recevons support de tout type de monde. Actuellement, nous avons pile amis dans la diaspora, plus passer 350 personnes qui voient email, nous disent que nous voulons volontaires, nous voulons supporter nous d'une façon ou d'une autre. Au niveau d'Haïti, le gouvernement actuel a apprécié l'initiative-là. En pile, parce que nous avons invité le chancelier Laurent Lamothe d'alors pour venir supporter nous, que nous avons dit remède idée, même si nous présent la voix en délégation quand même. Nous avons par exemple le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger qui s'est Daniel Supplice, lui-même c'est un monde qui décidait à ma plus grande surprise pour te ban un support extraordinaire tant au niveau financier qu'au niveau de assistance technique que nous avons de staff li, même s'il n'est pas présent. Nous avons par exemple le ministre Stéphanie Balmian-Veldouin qui est ministre du tourisme qui était supporté IDEA et qui est présent ce jour-là, et nous avons le sénateur par exemple Simon Desradieux-Seul qui acceptait l'invitation qui dit que la présente. Donc nous avons invitation non seulement au Sénat, nous avons élu à la Chambre des députés. En même temps, nous invitons tout le monde du gouvernement, ça, par exemple, le ministre démissionnaire Gary Conny, supposé recevoir l'invitation, parle. Nous invitons la société civile en Haïti, par exemple, à travers Mme Colette Lespinasse. Nous invitons tout, par exemple, la Chambre de commerce en Haïti. Nous invitons les chambres de commerce aux États-Unis. Nous invitons les consulats aux États-Unis. Parce que c'est un projet qui a commencé bien avant que je suis entré dans le consulat à Atlanta. Et bien sûr, le consulat a supporté le projet. L'organisation WASH en Haïti supporte nous. L'organisation CONAN supporte nous. L'organisation EPODI supporte nous. Nous avons l'organisation Caribbean Group qui très supporte nous tous à tous les niveaux. Et nous avons au niveau des États-Unis d'Amérique, True Patriots qui supporte nous en pile. Et True The Patriots of Georgia supporte nous. Sovereign Haiti Initiative qui c'est Chai, une activité, un bunch de jeunes qui est très intéressé avec Zone Bolakayo. Nous avons d'autres organisations qui supportent pour Haïti demain, et un coup Radio Force même qui sont radio communautaire, Radio Continental qui sont radio communautaire qui surtout travaille au niveau mondial tout, et nous avons un pile monde qui veut travailler ensemble avec nous et nous apprécier support yo, et nous croyons que quand même programme ça a bon succès à partir de travail ça, bien que pas penser que la facile pour nous mêmes et puisqu'on connaît au niveau de sponsorship
eh ben, et il n'est pas facile de leur faire première édition pour le sponsor. Parce que le sponsor, là, c'est business que l'a fait. Oui. Ça l'a besoin. Mais nous jouons en pile, le sponsor qui écrit, nous, à travers le website, nous, qui c'est www.haitidemain.org. Haïti Demain écrit en français, bien sûr, bien que nos organisations, c'est Haïti en créole, Demain en français, pour montrer le contraste qui gagne dans la nation, puisque nous parlons créole, nous parlons français. Nous, à la fois, eh ben, des descendants d'Africains en même temps, des francophones. Et nous, venons très liés avec les États-Unis à travers eh ben, diaspora qui a plus passé 2 millions haïtiens qui vivent à l'étranger. Donc, de façon nous très actifs et nous pensons que support, ça, on a besoin de toute organisation, ça va permettre que le projet soit capable de bon succès. Je pense que tout ça, c'est très bien. Il y a un monde qui a regardé Canal un jeune professionnel par exemple, peut-être pas qu'on ait plusieurs niveaux dans professionnel ou dans jeune. Il y a un monde qui ici qui voulait participer, qui voulait suivre, qui voulait aller dans le sommet, ça, qui ça le doit faire? Alors, premier et approchant, nous toujours demandé, et pour tout le monde qui est intéressé, et bien sûr, nous avons des articles qui sont sortis dans le journal, nous avons une interview pareil avec Obanou et nous remercier Canal Bleu, bien sûr, et parce que dans la télévision et la radio, c'est nous qui avançons à joindre nous, mais Canal Bleu avance et joindre nous, que nous apprécions en pile et nous répondons à l'appel. Alors, il faut nous dire que les amis sont capables de visiter d'abord le website, nous, c'est www.haitidemain.org, parce que nous sommes une organisation à but non lucratif. Et nous, en même temps, capable d'encourager les amis Sao. Bon, c'est vrai que son bref passage que m'a fait en Haïti, nous capable toujours essayer le numéro ZAG, 31 18 20 25. Tout de suite que vous faites une interview, ça nous fait un plaisir pour nous capable d'entendre et questions que vous avez pour nous pour nous avoir information. Mais depuis aller sur le website est très clair, très explicite, vous êtes capable de payer $75 pour participer. Mais si vous avez une organisation, une fondation, une activité concrète, littéralement représentée avec une délégation, nous pas obligé pas quitter au payer pour nous avoir une invitation spéciale pour être capable de venir. Mais comme vous connaissez tout, et vous connaissez moi-même, c'est un qui toujours parlé très direct. Alors, il faut moins dire que vous connaissez d'abord, pour venir participer dans tel sommet, il faut que vous ayez un visa. Donc, si vous n'avez pas un visa, alors nous espérons que le consulat américain ou l'ambassade américaine, j'ai que l'habitude fait, la paix bien sûr, et à travers l'invitation que nous voyons, les amis, ça va capable de permettre de venir participer dans ce sommet que nous avons fait. Nous commençons l'année ça le 21 avril. Pas oublier, le 21 avril là coïncide avec la semaine de la diaspora, parce que le 20 avril, c'est la journée nationale de la diaspora, ou bien internationale, si on veut. Et puis, quand même, et nous espérons au fur et à mesure, plateforme ça ouvre plus large et nous sommes capables de déplacer parce que Georgia à gauche pour qu'examine la diaspora, mais nous sommes sûrs qu'au fur et à mesure, nous pas avancé joindre les amis la diaspora, soit au niveau de la République Dominicaine, ou bien Bahamas, ou bien Haïti, ou bien Paris, et tant d'autres côtés, nous capables de jouer nos concentrations d'Haïtiens. Tu as dû retomber après ce sommet-là? Alors, retomber ou bien objectif ou bien. Et ça que nous sommes capables de réussir, eh ben, premièrement, nous sommes très réalistes. Nous connaissons que la réussite n'est pas venue à partir de jour sommet seulement. Bien que moi-même, Kadjo, pour le feedback que je recevais, pour moi, nous déjà réussi ça qui est dans la tête. Non. Parce que, ma bon exemple très simple, vous avez des critiques, vous connaissez des gens qui sont très négatifs dans la communauté. Il y a des critiques qui disent bon, si vous voulez faire un projet de l'eau en Haïti, si vous voulez faire un ressource center, juste faire l'eau finie pour qu'ils soient obligés de faire un sommet. Bon, l'idée c'est que. Dans un sommet, vous permettez de faire un networking qui fait. Dans la communauté PAM, non, au niveau de Georgia, nous ne sommes pas habitués à réunir comme ça autour de ce genre de sujet. Nous avons une opportunité pour nous réunir et pour nous reconnaître une autre. Parce que pas étonnant, il y a des gens qui Georgia là, qui ont regardé, qui ont dit oh, je ne peux pas projet ça. Nous faisons plus de publicité. Mais ils ne doivent pas connaître parce que c'est une communauté qui est très diverse et nous ne vivons pas près une autre. Donc il n'est pas facile pour nous-mêmes communiquer. Et ce n'est pas tout haïtien d'ailleurs qui tendait radio et télévision haïtien. C'est très récemment, après surtout le tremblement de terre là, le 12 janvier 2010, quand les haïtiens commencent à réaliser. Même si moi américain, même si ma vie est à Haïti, moi voulais bien Haïti, mais obligé de connecter en Haïti, avec Haïti, parce que j'ai des amis en Haïti, des familles en Haïti. Donc ça, c'est l'expérience que dans Radio Force, par exemple, nous avons fait avec ce message. Donc, réussite pour nous-mêmes, c'est d'abord ramasser quantité d'argent que nous avons. Par exemple, projet pilote dans tout le monde là coûtait $150,000. Nous avons aimé que c'est diaspora qui contribuait pour réaliser le projet ça. Là, nous finis, nous avons dit combien de copes nous entrer, qui support nous joindre et qui est-ce qui supporte nous. Et puis pour le projet ça réaliser, puis pour nous bailler, les amis, update, j'ai comme toujours fait sur Facebook. J'ai comme toujours fait à travers le website nous, j'ai comme fait l'émission radio Haïti Demain que me fait soit en Haïti des fois à travers Radio Télé Megastar ou bien qu'on fait les tout et sur Radio et Force et puis Radio Intercontinental, Radio Continental au niveau de Georgia tout. Donc on a toujours continué à former mes amis de
avancer. Puis deuxièmement, Resource Center lui-même n'est pas mal de nous rappeler pour nous démarrer, un website seulement suffit. Donc nous allons démarrer à partir d'un website. Nous allons démarrer dans le même local que nous déjà gagné à Radio Force 100 parce que nous, c'est une radio qui fonctionne avec des volontaires seulement. Donc définitivement, nous pensons que la présence officielle de tout est capable de faire, ouais, ok. Si par exemple Dinapa qui règle les Dinapa bien sûr qui règle parce que on est longtemps n'attend pas c'était plus Camep Dinapa intéressant et ben Dinapa qui plus régler question de l'eau en Haïti lui-même et ben il est capable de dire ok projet soit gagnant on a rentré dans le cadre stratégique que nous déjà gagné à long terme parce que nous connaît Dinapa déjà font très bon travail dans le cadre ça fait de l'eau propre ou bien de l'eau potable pour la population haïtienne. Alors, dernière question qui concerne Haïti demain, qui c'est l'organisation, hein, qui existait depuis près de 10 ans déjà. Justement, alors Haïti demain, c'est un projet qui n'a jamais suspendu évoluer. Et d'abord, c'est un groupe de jeunes qui était toujours fait des réflexions. Nous faisons réflexion ça dans plusieurs états. Nous faisons surtout au niveau de ville natale, moi Jacques Mel. Nous faisons en Haïti tout. Nous avons toujours été en cercle fermé. Mais nous venons arriver un moment et nous lancer le premier projet. Nous lancer des émissions de radio, parmi lesquelles. Tribune démocratique que nous faisons sur Radio Force International et que nous attendons sur Internet, radioforce.com. Et chaque soir, de 9h à 11h du soir, parce que quand on est dans la diaspora, nous sommes tellement branchés nouvelles, des fois nous avons passé en vente en Haïti. Oui, nous étions branchés. Parce que nous avons besoin de passer dans le pays, nous aimons le pays. Nous. Et nous avons un projet Haïti demain, qui sont une émission que moi personnellement, tu as animé, une émission qui était très impliquée dans les élections en Haïti, parce que nous avons fait un voyage avec une délégation en Haïti pour nous venir supporter l'élection qui t'a faite là, et pour nous être capable, bien sûr, de faire sure que la diaspora ait été informée, parce que nous parlons souvent que c'est un appel ou libre. Journaliste en Haïti qui a nous a passé et entre guillemets vont dire malheureusement et presque me là dedans il est presque différent qu'on y a parce que son presse moi qu'on y a qui est très émotive son presse qui voulait plus positionner comme un parti politique des fois ou bien un parti idéologique mais et nous voulons quand même que nous ayons des informations qui sont objectives. Alors il y a des gens qui pensent que parce que qu'on y a un travail au gouvernement comme un consul qui est responsable d'investissement nous pas qu'à objectif nous pas penser ça parce que nous avons toujours objectif parce que faut nous un pays d'abord et c'est ça que nous voulons faire à travers des initiatives de Haïti demain. Donc Haïti demain le nous venons tourner une émission qui est très réussie et ben nous venons gaper les gens qui disent nous voulons bailler l'argent nous voulons supporter mais moi même moi qu'on loi aux États-Unis nous pas qu'à recevoir l'argent c'est pas qu'on statut pour ça. C'est peut-être ça, nous transformer Haïti demain, très récemment, en une organisation de non-profit, une organisation à but non lucratif, en faveur d'un site, si vous voulez, qui permet que nous capables de recevoir des donations pour nous exécuter le projet. Et tout le monde qui a supporté l'organisation, c'est des volontaires. Et dans la différence, qui existe bien sûr sur le website, là, pour tout le monde qui visite nous, il y a un comité Haïti demain, et puis il y a des volontaires qui forment un board pour sommaire. Donc, bord que nous gagnons pour sommaire, les capables différents l'année prochaine si Dieu veut. Ça va dépendre de résultats puisque nous sommes ensemble de professionnels qui travaillent ensemble et c'est des volontaires. Donc moi-même par exemple, je fais partie de bord ça, l'année prochaine si Dieu veut, je ne dois pas faire partie de lui. Donc nous voulons lancer le projet et nous t'aimons que le projet a fait chemin parce que ils sont plateformes qui pas existent dans le moment par la voie la diaspora, mais nous pensons une fois que les films étonnent la portée des fruits extraordinaires pour tout haïtien. Actuellement matin par exemple, moi je vois près de 15 emails, amis qui Belgique, amis qui Australie, haïtiens qui vivent Afrique du Sud, haïtiens qui vivent dans Libéria, des haïtiens qui disent le temps est venu dans le sommaire, il y a un visa, il n'y a pas de visa, nous-mêmes nous avons essayé de nous. Je suis capable parce que nous étions quoi tout autant nous rassembler des jeunes. Parce qu'actuellement, nous avons une population haïtienne, côté que 70% de la population, ça, c'est des jeunes moins de 30 ans. Donc nous devons utiliser le dynamisme ça, parce que les jeunes n'acceptent pas de défis. Les jeunes croient qu'ils peuvent changer le monde et qu'ils peuvent le faire tout le temps. Donc à partir de l'énergie, ça, nous avons continué le travail et nous étions quoi projet ça après réussite. Mais Jean Djoulan, même si nous gagnons 10, 15, 20, 100, 200, 500 personnes réunies, ça ne va pas empêcher le projet à réussir. Parce que l'essentiel, c'est le feedback que nous recevons. Reste là, la privée. Pour et le fait que jeunes ici sont très très branchés internet de nos jours, un peu partout, et c'est vrai que pour pas ici, tout est au niveau téléphone, mais pendant que vous allez à l'étranger, vous avez des jeunes qui sont capables de toujours interagir avec vous via internet, via email projet, via email organisation, communiquer mon rapidement email et organisation côté que vous êtes capable. Aller avec nous et échanger des idées autour de proposer ça. Alors nous connaissons plus le jeune haïtien utiliser un email adresse que moi m'en pile c'est Gmail. Gmail permet au sauvegarder en pile et email au kemba pile information. Donc nous utilisons email c'est Haïti en créole, demain en français, t'as qu'un seul mot Haïti demain
gmail.com. Haïti demain, @gmail.com. Gmail là écrit G-M-A-I-L. C'est sous email ça, vous pouvez écrire nous ou bien aller sur le website www.haïtidemain, Haïti en français, demain en français.org. Il y a un côté contact us, il y a capable de vous email ben nous. Mais pendant que moi, Haïtien là, nous pour plaisir qu'on y a là même pour nous capable de recevoir appel 31 18 20 25. Alors, nous avons un appel tous les amis, auditeurs, bien sûr, téléspectateurs qu'on est habitués à la radio. Eh bien, qu'est-ce qu'on capte de nous tout, hein? Nous avons dit amis ça, bien sûr. Nous sommes contents pour nous capables de répondre et nous avons un staff qui pourrait pour capable réagir parce que nous pas fermer cercle. Son cercle extrêmement ouvert et tout le monde est invité pour capable de partager connaissances puisque nous était quoi qui détient l'information détient le pouvoir. Moïse garçon, nous avons pile bagarre pour nous dire toujours, nous croyons que avant sommet on a pas parler encore, même si pas même si c'est aux États-Unis. Nous vous merci en pile parce que vous êtes passé dans le canal bleu pour et ben nous tout détail ça yo. Nous croyons que c'est un gros projet qui est très louable et nous souhaitons succès et à long terme avec toute initiative ça yo. Alors merci beaucoup Pierre Richard, mon cher, nous connaissons un jeune qui est très positif. Moi féliciter et remercier toutes et ensemble staff qui travaille au niveau de Canal Bleu parce que moi j'étais quoi journaliste pas doué tant d'informations mais joindre journaliste doué marcher à chercher information. Donc c'est ça que fait dans moment ça, le fait qu'on vienne joindre nous pour nous répondre à nous-mêmes, c'était un plaisir. Donc tout staff Haïti demain dit merci pour ça et en même temps on a rappelé que moto organisation ça. Slogan par nous c'est Better Haitians, Better Haiti. Plus bon haïtien, plus bon Haïti, meilleurs haïtiens, meilleur Haïti. Alors c'est sous notre ça on avait invité tous les amis à réfléchir et surtout participer ensemble avec nous le 21 avril 2012 pour nous célébrer la diaspora dans le sommet socio-économique diaspora haïtienne aux États-Unis d'Amérique.